Allez, dictée de mots. Youpi, youpi, dictée de mots. And let's start with the first one. So the first one, one more time. I just try to avoid to make some mistakes now. Allez, let's go for the first one. On y va. Voilà. So normally it should be simple because this dictée de mots, I mean the concept is to try to quiz you one more time to see if you remember the words that we've been covering previous in the previous exercise. This, la dictée qui grandit. Un formulaire. Allez, write it because I just said it once. Alors, Denora, merci pour passer la couleur jaune, ça aide. My pleasure. As long as it's good for you, no problem. Je suis heureux. D'accord. Hein. So we'll do it fast, hein, because normally it should be quite okay. Un formulaire. So let's try to. I will click here. It will be faster. Voilà. Un formulaire. We write it like that. Be careful, Sukiana. You've been forgetting the final E. D'accord. But it's okay. Don't worry about that. Try to write it somewhere and then repeat it. Well, several times. And remember that R in most of the cases ailleurs. Hein. Of course, we've got some exceptions. No problem about that, like usually in French. Alors, let's have a look at numéro 2. And numéro 2, it's in fact remplir. Write it. Sorry, yeah, I don't know who was saying that it's the same. Yeah, it's the concept. And the concept is just to now focus on the words. So now it's remplir. Let's agree on the fact that I didn't really want to see N before the P. So that was the plan. Luciana, yeah, it's not again. It's basically only the words that we've been covering in the previous one, just to check if everything is okay. And apparently everything is okay. So that's the reason why we'll go fast. So the first one, it was formulaire. Second one, remplir. Third one will be obviously obtenir. Write it, please. Alors, Olga is asking, remplir, what is, it's to fill, to fill a form. Hein? Donc, c'est vraiment le verbe que vous utilisez. This is the verb that you have to use when you're talking about filling a form. It can be also for, oui, Adrienne, remplir avec un verre avec de l'eau ou quelque chose d'autre. Oui, oui, bien sûr. Alors voilà, so this is obtenir, to get or to obtain. Remember that it's not a verb from the second group, hein, but it's a verb from the third group. J'obtiens, tu obtiens, il obtient, nous obtenons, vous obtenez, ils obtiennent. In fact, you will conjugate it like the verb tenir, hein, just for your information. Numéro 4, well, let's go fast. Because we've been covering them, un passeport. Alors, Albouga veut remplir avec de la bière. C'est possible, Albouga. Everything is possible. Ouais,
Alors, be careful. The trick here is Yanarte, Gloria. I don't see the others. Yes, Mélanie Gilles, don't forget the E. Tenzin, it's the same. Huh? In French, it's really... try to think that it's really the verb passé. D'accord? So the verb passé, you write it P-A-S-S-E-R. So pass is in fact coming from passé. So pass, P-A-S-S-E. And then after that, you put the port. Port, harbor, passport. Hein? This is the way you will write it. D'accord? And the last one. Normally, it should be okay for everybody. At least I hope. I cross my fingers. And it's prendre l'avion. Allez, go for it. Albouga, tout est possible les lundis. Mais Albouga, tout est possible tous les jours. Il faut être comme ça, Albouga. Soyons fous. Let's be crazy. Alors, oui, très bien, effectivement. So, prendre l'avion, remember that this is the expression that we will use when we are talking about, well, flying or taking the plane, because in French we consider that people don't fly, birds are flying, but not people. So, we use the expression to take the plane, prendre l'avion, je prends l'avion. Because if you use the verb voler, to fly, for people, it means to steal, in fact. Je vole, I don't have the feeling that you're flying, I've got the feeling that you're stealing something, and it's not good. On continue avec les verbes les plus utilisés. So let's continue with the verbs that are the most used in French language. And then we'll start with the first one, to love, to like. Remember, it was aimer. Please conjugate that in the new form, still the present tense. Go for it. Allez, we'll do it fast, because it's extremely simple, I guess, and apparently, you are doing that perfectly. So, yes, it's a regular verb, so it's not really tricky, and it's nous aimons, A-I-M-O-N-S. Let's continue, numéro 2. So remember, must, have to, be necessary, in that case it's falloir. As I explained previously, falloir is an impersonal verb. It means that you only conjugate falloir in the il form. Remember that? So it means that I would expect only the il form for falloir in the present, please. Alors, très bien, oui, pas de problème. So it was quite good, falloir, when you conjugate it in the present for the il form, which is the only form that you can conjugate falloir with. It's il faut, F-A-U-T. Let's continue, numéro 3, to pass, to go by. This one is quite simple, it's the verb passer, regular verb. Please give me the new form. Thank you.
Alors, oui, in that case, it's extremely simple. It's not really tricky. Regular verb. Nous passons. So let's continue with numéro 4. Numéro 4, to think. In that case, it's exactly the same thing. Really simple because it belongs to the first group. Penser, penser. Can you give me, please, the new form? Alors oui, so this is quite simple and quite clear for you, so it's really good in fact. So nous pensons, P-E-N-S-O-N-S, so far so good. Can you give me the last one? To wait for, to expect, the verb is attendre. Alors be careful, attendre belongs to the third group of verbs, but still, can you give me the new form? And we are in the present. One more time, allez-y. Alors, je regarde. Oui, pas de problème. It's quite good. So, it will be nous attendons. So, don't forget to make the liaison between the two. Nous and attendons. Attendons, you will write it A-T-T-E-N-D-O-N-S. Don't put the R because the R should not be there. So, nous attendons. And that's the form that you should have. Merci. Merci à Sherilyn. Sherilyn a résumé l'histoire en quatre images, mais Sherilyn a oublié les pompiers. Vous devriez mettre les pompiers à la fin qui viennent pour éteindre l'incendie, peut-être. Les verbes participe passé infinitif. On continue, hein, so we'll continue with this exercise. Remember that we only miss, oh, not a lot, maybe three to 2 to 3 likes, hein, but anyways. Allez, parlez. Please write me the infinitive. Merci. Alors, Olga nous rejoint. Bonjour Olga, comment ça va? Et Juan aussi. Don't forget to click on the like because we will soon hit and reach the 100. As soon as I can see it, because sometimes you tell me, yeah, it's 100, but then I really want to see it with my eyes. Allez, Evelyne nous rejoint. Evelyne, click on the like. We are getting close, close, close. Alors, oui. Sherilyn, I don't know what it's blocking you, Sherilyn, when you put the stuff. I need to unlock. But it's okay. I do it with great pleasure. Alors, parler was the past participle, and so we're looking, of course, for the verb parler, infinitive E-R-P-A-R-L-E-R. So we'll do some simple ones now, so I hope it will be fast. Participe passé, can you write me the infinitive, please? Merci.
Et oui, c'est formidable, c'est formidable. Merci beaucoup. 100. Maintenant, on se concentre sur nos exercices. Allez. Alors oui, hein, infinitif, finir. So we agree that the verbs from the second group, in fact, are extremely simple. When you go for the past participle, you just need to remove the final R and then you will get your past participle. Finir, fini, choisir, choisi, unir, uni, etc., etc. So let's have a look now. Numéro 3, numéro 3, U. This one you should definitely know it, so go for it. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Olga! Et oui, joyeux anniversaire, Olga. Bravo, bravo, bravo. Félicitations pour votre anniversaire. Profitez de votre anniversaire. C'est très important. So let's have a look at the infinitive. The infinitive is avoir, obviously. This one you should definitely, definitely know it by heart. So let's have a look at numéro 4. And numéro 4, past participle is été. Could you please write me the infinitive? Alors, effectivement, effectivement, c'est être, hein. So this one also should be quite clear and you should remember it by heart. Remember that être is quite interesting because when it goes for the conjugation in the compound tenses, you will use avoir, hein. So keep that in mind, you don't say je suis été, which is a common mistake, but really you go for avoir, j'ai in the present, été, so if this is the passé composé that you want to build. Let's have a look at the last one, and the last one is écrit. Can you please write me the infinitive? Merci. Alors, is it possible to still remember conjugation by heart if the heart is broken? I don't really know. I think that, well, if the heart is broken, it can go in the head straight, I guess, but I'm not sure about that. And in that case, the verb was and is, écrire, écrire. Third group, remember to write it properly, accent aigu, C-R-I-R-E. Voilà. Merci beaucoup. J'aime les cours, c'est excellent. Ben, je vous en prie, participez aux cours. C'est tous les jours, du lundi au samedi. Le dimanche, je fais une petite pause. Eh bien, 14 ans, 14 ans, eh oui, regardez. Alors, Annabelle avait envoyé, mais j'ai juste choisi, Annabelle, une petite photo et un tout petit bout du texte, d'accord? Et Annabelle, eh bien, a écrit en anglais et elle dit « Thank you for being here until 14 years. The mission is quite parallel with God's. » Ah, moi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Restons modestes.
to show people his love. I imagine that if you quit it in year 13, how sad would that be? Je n'arrête pas, Annabelle. Je suis un train qui avance. Merci beaucoup, Annabelle. Et Annabelle a pris une photo incroyable. Regardez ça. Alors, je ne sais pas si c'est pour nous tenter, hein, c'est la tentation. Là, c'est vraiment, vraiment la tentation. Mais en tout cas, ça donne très, très envie. Ça a l'air délicieux. Et bien sûr, ma question, c'est est-ce que vous aimez les pâtisseries et les sucreries? Est-ce que vous aimez les pâtisseries? Tiens, mon circonflexe a disparu de mon A, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ah non, pardon. Et voilà. Est-ce que vous aimez les pâtisseries et les sucreries? Une petite minute pour répondre. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Vous êtes trop gentil, Cosmina. Un grand merci en disant tu es incroyable. Eh bien non, je suis un homme naturel. Tout ce qu'il y a de banal. Et Stella, un grand merci. Ah, Stella, donc c'est le gâteau. Le gâteau pour aller avec le café. Merci beaucoup. Allez, écrivez-moi s'il vous plaît une petite phrase. Alors, Sapna qui nous dit que elle doit travailler, donc c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, nous ne bougeons pas. Jessiar qui nous dit oui, j'aime les sucreries. Je n'aime pas les sucreries, je préfère les choses salées. Les choses salées, c'est formidable aussi. JM qui dit j'aime les bonbons et les gâteaux. Ah oui, allez, ça peut être dangereux. Yulia qui nous fait, oh, c'est pas vraiment une découverte, hein. Nous savons, parce que nous commençons à bien connaître Yulia, nous savons qu'elle parle souvent des sucreries, des choses qu'elle mange, et Yulia nous dit les sucreries, et bien voilà, c'est ma vie. Ice Cubes qui nous dit, oui, mais toutes les choses sucrées me font grossir, tout le monde. Tout le monde! C'est ça le problème. C'est le problème fondamental. Dénora, je préfère les huîtres aux sucreries. Oh, Dénora, les huîtres, incroyable. Alors, Dénora, citron ou alors vinaigre avec des échalotes ou qu'est-ce que vous mettez dans les huîtres si vous les mangez crues? Stella qui nous dit, oui, j'aime les manger avec modération, bien sûr. Et je fais du sport régulièrement après. Pour ne pas grossir, ben, on fait ce qu'on peut, hein. On essaye. Victoria Jacques, je les aime parfois, mais je préfère manger un repas. Amira qui dit, oui, j'aime les pâtisseries, mais je n'en mange pas beaucoup. Il faut faire attention. Chériline, oui, en fait, mes amis et moi sortons parfois furtivement du labo pour manger des pâtisseries et des sucreries. Chériline, quand vous en parlez, on a l'impression que c'est une sorte de crime. Un crime innommable. Mais non, c'est normal. Luciana qui nous dit, oui, j'aime les pâtisseries et les sucreries. Ben oui. Cosmina, oui, j'aime les pâtisseries et les sucreries, surtout celles qui sont préparées par moi ou par ma mère. Oh, oh, oh. Souvent, les mamans, eh bien, enfin, on a l'impression quand même qu'elles sont meilleures que nous, hein, dans la pâtisserie. Moi, j'essaye de faire la compétition avec ma mère, pour moi,
Juste pour arriver à son niveau de tarte aux pommes et je n'arrive jamais à l'atteindre. C'est vrai que c'est bizarre. Alors, on continue. Attendez, je dois débloquer Yulia, je ne sais pas pourquoi. Hillary qui disait « Oui, j'aime voir les pâtisseries, les sucreries, mais je n'essaye pas de les manger parce qu'elles me font grossir. » C'est le problème de tout le monde. C'est le problème de tout le monde. Omar, je n'aime pas les pâtisseries parce que quand il y a trop de sucre, ce n'est pas bon pour la santé. C'est vrai. Yossi, j'aime les pâtisseries, mais on ne doit pas en manger beaucoup. Et Kouvanich qui dit « Oui, j'aime beaucoup les pâtisseries, les sucreries. Ma grand-mère préparait des... » Et Kouvanich, ça a disparu. Qu'est-ce qu'elle préparait, votre grand-mère? Vouslat, non, je n'aime pas les sucreries. Je préfère plutôt les choses salées. Sapna, Vincent a l'air très cool maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est les lumières. C'est les lumières, probablement. Cosmina discute avec Sapna. Victoria, je préfère les viennoiseries. Stardust qui dit j'aime le caramel et le gâteau, ça c'est bien. Denora, vinaigre avec échalote. Moi aussi. Moi aussi. Citron, c'est pas pareil. J'aime bien, mais ça n'est vraiment pas la même chose. Vinaigre, échalote, huître. Oh, incroyable. Je pourrais en manger, mais alors des quantités astronomique. Sophia, j'aime beaucoup les pâtisseries et les sucreries. Ça m'a posé la difficulté parce que mon médecin m'a toujours dit d'arrêter les sucreries dans ma cuisine. Bah oui. Des huîtres avec échalotes, dit Julia. Vous êtes vraiment onion man. Non, c'est un classique. C'est un grand classique, mais on aime ou on n'aime pas. Fiona, j'adore les pâtisseries et les sucreries, les gâteaux de... Ah, les tartes, oui, pour le... Ah non, pour la fête des rois, c'est ça. Avec de la frangipane, probablement, Fiona. Athée, oui, c'est mon plaisir coupable. Alors, et ça, on va finir. Alors, attendez, Rihanna qui dit « Je fais une tarte environ une fois par mois. » Annabelle qui nous dit « Oui, après la photo, je l'ai presque tous mangé. » Non ! C'est vrai ? Oh ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Ça, il fallait pas le dire. Oh, ça devait être délicieux. Est-ce que c'était délicieux, Annabelle ? Annabelle, est-ce que c'était délicieux ? Dites-le nous, parce que là, franchement, on a envie de savoir. Alors, Victoria Jacques, un grand merci. Et c'est pour m'acheter une bouteille de vin, bien sûr. Alors ça, je peux vous promettre. Je peux vous promettre. Regardez-moi dans les yeux. Je vous promets que cette somme sera uniquement utilisée pour acheter une bouteille de vin. Et je la boirai en pensant à vous et en vous remerciant. Merci beaucoup, Victoria Jacques. Alors, la dictée de nombres, eh bien, c'est le grand classique, c'est notre grand classique. Comme nous sommes à un niveau qui est un niveau intermédiaire, je ne vais les lire qu'une seule fois. D'accord ? C'est honnête. Et je vous préviens surtout. Allez, on attaque avec le premier. Une toute petite seconde, je dois mettre... Voilà. Attention, le premier, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul chiffre. On y va. 4. Écrivez, s'il vous plaît. Thank you.
Voilà, donc là, l'idée, bien sûr, c'est de se chauffer. On se chauffe les muscles, on se chauffe le cerveau, on chauffe les oreilles, on chauffe tout ce qu'on peut. Là, c'était facile, c'était 4. Là, il n'y a pas de problème. Attention, bien sûr, nous allons continuer. Youpi, youpi, il y aura maintenant 2 chiffres. Je ne le prononce qu'une seule fois.